les Zags ont créé un mouvement qui emporte tout sur son passage et qui déborde certains clivages, qui voilà, on met de la dynamique, quoi. Je dirais que c'est l'effet Zag. Lentement, je me suis fait à l'idée exquise.
Longtemps, mort, je me suis fait arrêter. Excuse que je ne serai plus français. Saturé, un peu violente, la mélodie, voilà, des morceaux courts, concis, efficaces, un peu aériens si possible, pas trop lourds, parce que on fait du punk plutôt léger. Et une forme de virtuosité finalement, parce que les punks sont des anti-virtuoses à la base, techniquement. Enfin, c'était un espèce de mot d'ordre, un des mots d'ordre du punk de départ, c'est-à-dire qu'on n'est pas des techniciens. Mot d'ordre qu'on a repris nous-mêmes, et pour cause, puisque aucun de nous ne l'est véritablement, enfin, certains plus que d'autres, mais peu importe. Mais il y a une virtuosité qui n'est pas technique, mais une virtuosité peut-être dans la vitesse, dans la composition, quelque chose comme ça. Et moi, je suis assez catégorique sur mes goûts, c'est-à-dire je pense que le punk rock est la forme ultime du rock. Si on compare avec la techno, le rap, la soul ou des choses comme ça, après, ça, on rentre dans d'autres formes de débat, mais en ce qui concerne le rock, je suis assez catégorique. Le punk rock réalise, parachève quelque chose qu'on appelle le rock. Et ça, moi, c'est un credo que j'ai jamais quitté. Je suis persuadé qu'on tient là quelque chose d'assez unique dans l'histoire de l'art du XXe siècle. Parce que le rock étant vraiment, je pense, une des trois ou quatre choses les plus importantes artistiquement dans le XXe siècle, ça, maintenant, je pense que tout le monde s'accorde à le dire, je pense qu'au sein du rock, le punk rock est très important, esthétiquement. Il ne s'agit pas de dire dans le punk rock qu'il y a des génies ou quoi que ce soit, hiérarchisés de façon creuse, mais là il se joue quelque chose d'énorme. Et on n'en a pas encore pesé toutes les conséquences. Musicale,
Donc ce qui nous intéresse dans la révolution, c'est le fait qu'il y a quelque chose de dynamique qui se passe, quoi. Enfin, un événement qui change les choses, une sorte d'année zéro qui va faire qu'après il va se passer de nouvelles choses. Ouais. Ah ben voilà, enfin, en politique comme en musique, finalement c'est ça qui nous intéresse. Et en art en général. C'est vraiment l'exemple type de, voilà, de ce groupe-là qui envoie tout péter, qui envoie péter le vieux monde, comme il disait, musicalement, esthétiquement, qui commence à s'habiller n'importe comment. Sinon, la première base politique du punk, c'est quand même que c'est les pauvres qui jouent du rock, et après, il y a tout ce qui en découle, c'est-à-dire qu'on impose on fait de la musique, on est des pauvres, on joue du rock, donc on fait de la musique aussi pour les pauvres, donc les concerts sont pas chers, les disques sont pas chers, enfin il y a tout ça qui se développe. Yeah.
intéressant, c'est toujours le clivage, enfin la dichotomie plutôt, parce qu'il n'y a pas opposition, mais complémentarité entre les Clash et les Pistols. Pour filer une métaphore politique, je crois que les Clash sont très d'un espèce d'esprit politique avec du contenu, c'est-à-dire un contenu socialiste, communiste, bon, les sons et les mots pour l'instant. Et puis les Pistols, ce serait plus situationniste à la rigueur, une espèce de provoque pure qui ouais. fait subversion en soi. Bacon, ça, c'est, alors bon, les Clash vont dire voilà, ils vont pas dire vive le socialisme, mais ils vont dire les jeunes souffrent, la classe ouvrière est opprimée. Enfin, ils vont le dire de façon beaucoup plus rigolote et enlevée. Mais en gros, il y a un contenu. Les Pistols, ce c'est la provoque pour la provoque, ouais, ce qui serait l'équivalent du situationnisme. Classe, ouais. Et en gros, donc après ça, ça a ouvert. Ça a ouvert des voies différentes dans le punk rock. La voix Clash, elle a été caricaturée dans ce qu'on appelle anarcho-punk un peu. Où vraiment, là, on tient des textes qui sont un peu militants lourds. C'est-à-dire où vraiment, là, on prend fait et cause pour l'Indien d'Amérique, pour le Pakistanais souffrant, etc. Ce qui est évidemment politiquement incontestable, mais ce qui rend esthétiquement les choses un peu lourdes. Puis même, ça occasionne des postures un peu moralisantes, un peu chiantes pour tout dire. Qui sont anti-Pistols. Là, vraiment, on perd tout l'humour, on perd tout le situationnisme, quoi. Et la légèreté, quoi, l'autodérision, notamment, qui sont quand même... Alors, les Pistols, ils auraient ouvert un autre paradigme qui aurait été caricaturé dans l'autocélébration. C'est-à-dire tous ces textes qui disent « on est punk et c'est bien, on est entre nous et c'est bien, on boit de la bière et c'est bien ». C'est-à-dire vraiment, l'être là même du punk suffirait, quoi. Alors qu'il y a un moment où le punk, c'est une famille et c'est chiant. Comme toutes les familles, ça perd sa subversion. À partir du moment où on est dans l'autocélébration et qu'on est content d'être ce qu'on est, bah franchement, ça va pas loin. Finalement, c'est du rock de proximité, un peu. Une fois qu'on a établi tout ça, comment écrire des textes, c'est difficile. Et je n'ai jamais vraiment su où tu étais, où tu étais, où tu étais. Justement être un mouvement et surfer avec les clichés, essayer de manipuler véritablement des concepts. C'est ce qu'on a trouvé vraiment à l'origine dans certaines chansons des Pistols, même aujourd'hui dans les textes de Green Day, c'est des choses. Utopiquement, je dirais que le but dans les textes, ça serait d'essayer, j'aime pas le juste milieu ni la grande synthèse, mais. D'arriver à garder toujours comme point de mur le contenu politique, mais en le faisant tourner un peu drôlatiquement, c'est-à-dire là c'est le côté situ, quoi, justement, c'est le côté Pistols. C'est-à-dire garder une espèce de provoque quand même,
Donc il va beaucoup avec la mise en question des clichés. Il y a de l'humour, on rigole un peu, avec quand même sans perdre de vue le contenu. Pour moi, faire du punk rock, c'est pas militant. C'est sans doute politique, mais au sens où Picasso est politique, quoi. Toute proportion gardée, évidemment. Au sens où toute manifestation publique est politique. Donc évidemment, c'est politique, mais c'est pas militant, surtout pas. Le militant, c'est les anarcho-punk. Et eux, ils perdent en art ce qu'ils gagnent en premier degré du sens et en clarté du sens, mais c'est très très lourd, et du coup, pour moi, c'est plus subversif. Donc du coup, où est la vraie efficacité politique? Elle est dans le message clair et brut de Port, où on convainc les convertis? Où est-ce qu'elle est dans la complexification des choses pour aller chercher la subversion là où elle est, c'est-à-dire dans le subtil? Personnage, prendre une voix, quoi. Essayer de gérer cet équilibre, enfin ce dialogue entre l'individuel et puis le collectif. Finalement. Ça évite la morale? Oui, parce que justement, c'est pas un slogan à l'impératif où on va dire fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Non, c'est plutôt présenter par la voix du chanteur la posture de quelqu'un, quoi, le point de vue de quelqu'un. Et du coup, présenter un point de vue comme ça, ça implique, et d'autant plus s'il n'est pas évident à cerner, s'il est un peu subtil, ça oblige l'auditeur à lui-même se positionner. Et je pense que c'est un peu ça, le fonctionnement aussi de Zabreski et l'écriture de Zabreski. C'est clair hein, que je vais faire un petit jeu de mots, mais c'est pas un vrai jeu de mots. Mais non. Si on prend moraliste, voilà, on est moraliste au sens balzacien du terme, si on veut, de la Rochefoucauldien, ou même
mais pas moralisateur, voilà, c'est toujours forcément ce qu'on veut. C'est-à-dire moraliste au sens étude des comportements, oui, ça intéresse toujours, je crois, François, dans ses textes. C'est pas inintéressant de juger le monde qui t'entoure, les individus qui t'entourent, et les manières de se comporter. Ils ont cherché à faire que les concepts qu'ils utilisent échappent justement à quelque chose qui serait de l'ordre d'une morale, disons, déjà répertoriée. Par exemple, les textes de Zabreski, ce n'est pas des positions qu'il faut adopter, qu'il faut suivre, hein, c'est des positions donc, qui doivent faire réfléchir, qui doivent ouvrir à la limite une interrogation sur un tel ou tel sujet. Essayer de balayer le plus possible, d'ouvrir le plus de pistes possible. À partir d'un petit fil, on peut tirer tout le tapis, quoi. Et en fait, voilà, on essaie de choper le plus de fils possible. Bon, moi j'écoute les verrues, les balais, quoi. Mais bon, il y a un cran dessus. Il m'a dit, les gars, faut pas vous arrêter parce que des groupes qui parlent d'amour, et ben, il y en a pas tout à l'heure. On va faire un morceau sous la pluie pour reprendre les cœurs, tous avec nous, sous la pluie Rude Boy, les clins et les arbres. Ouais. On viendra avec les arbres chanter sous la pluie. Content de vous voir enfin, monsieur le contrôleur. Ça fait des mois que je vous attendais. Yeah. Content de l'avoir payé la main, monsieur le contrôleur. Je paierais des millions si je les avais. Depuis le temps que je prends tous les dollars sans jamais être payé. Que je suis là jusqu'au terminus sans pouvoir embarquer. Je commençais à douter de votre zèle. Commençais. Si je peux me permettre, monsieur le contrôleur, qu'allons-nous faire de tous les voyages que je n'ai pas payé, monsieur le contrôleur? Avouez que ce serait dommage. Que pendant tout ce temps, moi j'ai pris tous les bus sans que me fasse payer. Que j'ai atteint mille fois le terminé sans qu'on me fasse payer. Sans qu'on me pende. Oh, 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 vos pieds de noir chaussé sans qu'on me pende. Oh, 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 vos pieds. Content de vous voir. Oh,
c'est la subversion. Donc, c'est quoi la subversion? C'est être là où on ne nous attend pas, c'est être là où le consensus n'est pas. Hein. C'est très bête comme définition, mais finalement, c'est fondamental. Moi, je pense dans une époque où, finalement, le cynisme est officiel, c'est-à-dire la valeur dominante est le cynisme, mais chez les ados comme dans les multinationales, hein, je ne parle pas forcément du monde, je ne parle pas forcément du Kosovo. Moi, je connais un petit peu certains adolescents, 15 ans. Bon, la valeur officielle, c'est le cynisme. C'est vivre le diable. Et on vit dans un monde de merde et tout est caca et il n'y a pas d'amour. Ben, je pense que dans ce monde-là, il se trouve que là, dans un arrêt sur image de 99, ben, la subversion, ça serait plutôt le romantisme, et notamment un certain sentimentalisme. Ce qui fait de Mélodie une chanson plutôt subversive. Là, en 99, ce qu'elle n'aurait peut-être pas été en 1732, je ne sais pas. Mais c'est ça la politique version punk, c'est plutôt une politique un petit peu souple d'intervention. De décalage. Moi dans ma veste, je suis pas l'homme de missions impossibles. Moi dans ma veste, je suis pas l'homme de missions impossibles. Et si pourtant, mais merde, pourquoi j'ai écrit ça, c'est... Je suis l'homme de mission impossible. J'étais jeune, je savais pas ce que je disais. Et le Chantal a de tout le monde. Bon, là, on a essayé d'être frais et honnête. Réjouissant et religieux. Et je savais que cette gratte était tubesque, je savais que ça allait donner un tube, parce que c'est vraiment une gratte assez efficace, avec un solo assez pointu. Et j'avais fait exprès, j'avais vraiment, alors je me rappelle très bien m'être fait la remarque, hein, c'était pas rétrospective, j'avais dit tiens, je vais faire le texte le plus, disons, sulfureux concernant le punk rock, je vais le mettre là. Parce que ça sera bien, ça sera le tube, et ça sera précisément le texte le plus problématique pour le public punk rock. We'll be right back.
Il y a un côté vraiment unanimisme en pratique. T'as des créteux, t'as des mecs comme nous, t'as des petits jeunes, des nanas, des machins, des trucs, des popis. Et tout ça, c'est magnétisé par Didier Vampas, c'est magnétisé par la musique. Tout le monde se retrouve sur scène. Et je trouve qu'on n'est pas indigne de ça. On a réussi à notre échelle, qui est un petit peu en dessous des Vampas, évidemment, à créer ça. C'est-à-dire qu'effectivement, dans nos concerts, il y a des créteux qui dansent sur contre-culture. Et c'est pas forcément qu'ils se trompent. Ça, Zab aussi, c'est créer des montages, mettre les gens au pied du mur, mettre les gens au pied des contradictions, donc faire avancer les choses comme ça, les prendre dans une espèce de jeu de subtilité, dont l'aboutissement, c'est peut-être la reprise d'Oasis qu'on a pu faire. Stéphane nous avait demandé de faire une reprise pour What's My Point, qui est la compil Galactique, tous les groupes Galactiques faisaient une reprise. Et nous, on avait fait un morceau d'Oasis qui est évidemment détesté dans le milieu punk rock, parce que pop, parce que groupe battu, parce que tout ça. Et groupe très connu, et bon, nous il se trouve qu'on aime plutôt bien Oasis globalement. Et ce morceau est génial, on l'a mis en punk rock, c'est-à-dire qu'on l'a accéléré, on a dit que c'était les Very Good qui jouaient, on n'a pas écrit que c'était Samuel Oasis, et du coup les mecs dans les concerts viennent nous voir, c'est génial cette reprise. Voilà, et c'est les mêmes mecs qui, deux minutes après, si tu discutes avec qu'est-ce que tu penses d'Oasis, ils vont dire oh là là, c'est de la merde. Voilà, on les met dans leurs contradictions. Ce qui serait peut-être l'aspect situationniste, du coup, là, pour y revenir, j'insiste un peu, du punk rock. C'est-à-dire créer des espèces de happening où il se passe quelque chose, quoi, où ça fait un peu bouger les clivages, les tendances, les discours. Voilà, c'est ce qu'on aura fait de mieux, je pense. Vachement fidèle au punk rock anglais. Et par contre, c'est vrai que je pense que ce qui est assez marrant quand on discute avec les gens, c'est qu'ils sont les mecs qui viennent au concert quand entre 15 et 25 ans, disons en gros, ils sont très marqués par l'alternative française. C'est leur base souvent, enfin majoritairement. Et nous, c'est pas notre. Bon, il y a des groupes alternatifs qu'on aime beaucoup, mais c'est pas notre univers de départ. Donc, peut-être que les gens qui ont écouté les apps, ça les a. Ça
ça leur a remis en tête le punk rock anglais, peut-être. Souvent, quand je discute, les gens ne connaissent pas forcément les Buzzcocks, par exemple, ou les Damned, c'est incroyable. Et nous, on se reconnaît vraiment ça. Donc, bon, les gens qui viennent nous dire, vous êtes des punk rockers d'origine, je crois que c'est vraiment musicalement, bon, même si peut-être on fait des trucs peut-être un peu plus léchés. Peut-être plus écouter du punk rock, du hardcore mélodique américain, ouais, des Sundance, FX, etc. Et ça a pu se sentir dans la façon de faire sonner les rythmiques basse batterie, de faire sonner les guitares, d'essayer d'enrichir le jeu de guitare. C'est-à-dire, au départ, peut-être que ce qu'on pourrait dire, c'est que les guitares ne font pas toujours les mêmes choses. Enfin, en même temps, c'était la même rythmique, etc. Il n'y avait pas de solo. Et puis bah, les musiciens se sont améliorés, et puis il y a des choses intéressantes qu'on a entendues, et du coup ça a été intégré aux compositions. Et là, du coup, les guitares sont peut-être un petit peu plus riches, plus mélodiques. Il faut quand même préciser qu'on a toujours voulu garder la spontanéité en studio, et que d'ailleurs on s'est toujours tenu à l'idée que tous les musiciens jouent en même temps. Pour les enregistrements, ce qui est quand même important et ce qui se fait pas du tout classiquement, quoi. Enfin, en général, c'est alors on fait la batterie et puis ah tiens, l'autre ça va prendre son café, puis après il y a la basse. Bon, ça c'est un peu lourd, quoi. Enfin, c'est vraiment pas notre idée de la musique. Et ce qui est marrant, c'est qu'on l'a fait pour Fantôme, qui serait, ouais, comme ça dans la dramaturgie officielle, l'album le plus mais si on veut, le moins impulsif, le moins direct. Ouais, qui est le moins violent au niveau du son. Hein, je veux dire, quoi qu'on dise, à la rigueur, le plus violent au niveau du son, moi, je dirais que c'est des hommes nouveaux. Ouais. Et Paul, pas loin derrière. Hein, les deux plus soft au niveau du son, c'est tout est bien, et Fantôme. Donc le mec, il vient me dire, ouais, vous étiez violent et punk au début, et maintenant vous êtes bien, c'est pas vrai. C'est tout simplement faux, et je défie quiconque de me prouver le contraire. À l'écoute. Un album où on respecte un peu les canons du genre, tout en les contournant, mais en restant bien serré par rapport à ça. On joue le jeu du punk rock, on joue le jeu de la scène, on dit ok, on en est, on va, et moi dans mes textes par exemple, j'essaie de taper dans des thématiques
répertoriées, bien que j'essaie de les biaiser, mais elles sont répertoriées. Tout est bien, c'est le moment où on affiche totalement notre lyrisme, notre côté pop aussi. Enfin, on se lâche. On se met à faire des artistes de Cure, Oasis, machin. Voilà. Mais c'est pas forcément c'est pas simplement de la promo, c'est aussi de la promo pour donner à penser. C'est-à-dire qu'une des convictions qu'on peut avoir, c'est quand même qu'entre la pop et le punk rock, eh ben, il n'y a pas un gouffre, quoi. Il y a même une frontière très ténue, il faut travailler là-dedans. Moi, je préfère le punk rock à la pop, c'est définitif, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais on ne fera pas dire que la pop, c'est l'ennemi du punk rock, ce serait la fusion, quoi. Ouais, la world music, quoi, le côté, c'est carrément bien. Mais musicalement, tu vois, cette espèce de lourdeur fusion, ça, c'est vraiment un petit peu. Champion du monde, pas de rugby. Champion du monde quand même, champion du monde, moi. On va chanter tous ensemble. J'ai tous les défauts du monde, j'accutive toutes les tares du monde. Ça rime. C'est des rimes en ondes, hein, film micro-ondes. Enfin, ça c'est très très simple. Hein.
album, il y a un morceau qui s'appelle Coupe le Contrôleur, enfin Aime le Contrôleur, et qui est vraiment absolument punk rock pour moi. Et c'est pour moi, c'est l'aboutissement d'un travail de 6-7 ans de composition, ça. Alors que c'est vraiment la simplicité même. Mais la simplicité, ça se travaille, ça se pense. C'est ce que disaient les Ramones d'ailleurs au début, je me rappelle, ils disaient on travaille beaucoup pour nos compos. Et même sur le premier album, parce qu'après ils ont fait des trucs manifestement plus léchés, mais même sur le premier album qui passe pour l'album un peu simplissime, ils disaient on bosse beaucoup, c'est vachement dur la simplicité. Hein. C'est un truc qu'on connaît bien au cinéma par exemple. Au zoo, au début, ils faisaient plein de mouvements de caméra et c'est à la fin de sa vie qu'il faisait plein de films avec des plans fixes, des choses très très sobres et très simples, et c'est là qu'il est le plus fort. Il a mis 40 ans à prendre ça. Donc en musique, je pense que, encore une fois, toute proportion gardée, c'est la simplicité et la concision, ça s'apprend, quoi. Ça se travaille, ça se pense. Parce que ce qui est facile, finalement, c'est le tape à l'œil. Alors que justement, peut-être le plus dur, c'est d'arriver à une sorte d'épure, quoi, à dépurer un petit peu le travail, et arriver à une sorte de nudité de la chose qui fasse que bah, c'est là que c'est intéressant, quoi, parce que c'est là que c'est pointu et que ça peut avoir un impact. On enterre beaucoup le punk, enfin, à chaque fois qu'on dit qu'on fait du punk rock, on nous regarde avec un air condescendant, ah bon non, c'est pas mort, tout ça. Il faut bien voir, si on regarde le champ médiatique du moment, à quel point on est encore marqué par le punk. C'est-à-dire à quel point le punk continue à ouvrir un paradigme il y a 23, 24 ans maintenant, et qui continue. La techno a repris pas mal une espèce de pratique que le punk a inventée dans la façon de gérer les concerts, enfin les réunions plutôt, parce que c'est pas de concert. Mais pas seulement ça, il y a énormément de gens qui maintenant sont des fers de lance de la société spectaculaire, qui viennent du punk rock, qui ont été des punks à 16 ans, et qui n'ont pas oublié ça. Il s'agit pas, moi je dirais pas qu'ils ont trahi, ils ont continué quelque chose, ils restent dans l'élan, même si ça y ressemble pas, enfin, ils font pas forcément de morceaux punk, ils font d'autres activités. Jean-Paul Gaultier, par exemple, c'est un mec qui était dans les milieux punk new-yorkais des années 76. Et il est toujours à la pointe de la mode. Il y a quelque chose. Le punk a structuré quelque chose. Jim Jarmusch, dans le cinéma. Oui, pareil, ou plein d'autres. On pourrait en citer des tonnes, quoi. Je dirais même qu'en ce moment, on est peut-être à l'avènement ultime du punk, d'une certaine manière. Puisque tous ces gens-là qui avaient 16, 17, 20 ans en 77 ont maintenant 45 ans, donc sont en position de pouvoir. Ils occupent la place, en fait. On pourrait même parler, mais ça serait problématique, mais pourquoi pas. L'esprit Canal Plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce qui se fait de mieux, par exemple, en humour. On pense qu'on veut qu'il y en ait plus par ailleurs. Mais en humour, c'est ce qui se fait de mieux. Ils ont ouvert quelque chose d'assez énorme dans le comique, hein, depuis Les Nuls jusqu'à Julien-Édouard Moustique. Ces mecs-là, ils ont en gros 40 ans, ils ont été dans le punk rock, quoi, dans la sociabilité parisienne punk rock de l'époque. Je pense à Ariel Wiesman, par exemple, qui est nul par ailleurs, qui faisait un groupe de punk rock en 76-17, un groupe pour marcher, peu importe. Et LOL qui jouait dans les Big Bazaar. Oui, LOL qui est le musicien de Nulle Part Ailleurs, par exemple. Alors même qu'on célèbre la mort du punk rock depuis 15 ans, enfin même depuis plus, il n'a jamais été aussi efficace, d'une certaine manière. Il n'a jamais eu autant de charisme. We'll be right back.
bien l'espace public en général, donc la politique, j'adore ça. L'espace public, quoi, il se passe des trucs, il y a des tendances, les gens se fritent, il y a des problématiques, il y a des débats de société, moi j'adore ça. Quoi. Bah c'est vrai que là, là, t'es quand même au cœur du truc, quoi. Ouais, bah, ça grouille, c'est la jeunesse, il y a de la vie là-dedans, quoi, il y a de la politique, vraiment, de la politique concrète. Je dois dire ce soir à quel point j'ai été ému par les partisans, à quel point j'ai aimé les galates, à quel point j'ai aimé les clubs, ça a l'air d'être consensuel, mais c'est vrai. Ce soir c'est un plateau galactique. Cette soirée elle est pour une femme, encore une fois. Alors il paraît qu'il y a des gens qui volent des disques au stand et je trouve ça très très bien. Très bien pour les disques qu'on pauvre. Dans les pelles, c'est pour les pieds. Quand je crois un enfant, je tranche notre violence pour épargner. Et la balayer, guetter les tâches et les effacer, amener l'impur à la pureté de tout ce qui est mal. Let's go.
musical peut être respectable en soi. Hein. Je suis d'accord avec Xavier, hein, c'est con, donc on est plutôt une conception de la politique un peu plus dynamique que ça, et peut-être moins centrée sur certains objets comme Le Pen. Mais sinon, c'est des gens, c'est des braves gens, je veux dire, de gauche, donc au point où on en est, on ne peut pas leur en vouloir. Il se trouve qu'on a eu quelques petites rixes avec eux, mais... On ne fait pas un procès en absence de pensée. Moi, j'aime bien. C'est pour ça, le fait, par exemple, qu'il y ait une table ce soir, moi, je trouve ça très bien. On n'est pas des rigoristes. Et moi, j'ai jamais de... Je suis contre. C'est pour ça que je déteste Bourdieu. Je ne pense pas qu'on doit opposer une réponse crispée. Je suis anti-crispation. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir des réponses décontractées. C'est comme ça qu'on est plus subversif. Bourdieu est un curé crispé. C'est pour ça qu'il ne fera jamais rien de sa vie. Et donc, moi, si j'avais là ce soir la réponse crispée, ça serait d'aller voir les mecs du Scud, du petit chocolat avec ta table. Non, ils sont là, allez. Mais s'il y avait les amis des dauphins qui avaient une table, ça serait très bien. Le monde est fait de tout ça. Tant qu'ils m'empêchent pas de vivre, c'est très très bien comme ça. Si on discute, je dirais ce que j'ai à dire, s'il me fait chier. Mais j'irai pas le faire. C'est que ça, toi, en fait. Le mec de On a été la charpente de dialectique, ça s'est construit en parallèle en fait. Enfin, construction commune qui fait que chacun a apporté sa petite pierre et justement enfin, sans lui on n'aurait rien fait et peut-être que sans nous il n'aurait pas fait un label non plus, donc voilà. Donc comme quoi c'est on n'est rien sans lui, puis à partir d'un moment il est rien sans nous, puis bon à un moment on ne sait plus quoi. Comme dans une histoire d'amour, on ne sait plus qui aime le plus l'autre. Alors tu mettras ça dans ta vidéo. Ah bon, j'ai pas toujours le cas. C'est Benin qui avait fait ça. Je te promets maman, ça me rate pas plus. Si tu mets un scotché au sol. 4 heures. Vous avez besoin de t-shirt pour la grosse caisse. Non, tu respectes un peu. Tu prends les noirs là qui sont là. En fait, tu m'entends vivre. La salle est vachement nate, ce qui est bien, mais la caissière n'est pas très très vivante, mais en même temps c'est sec quoi. Ici, pas bon Louis, c'est là. Je tombe. Thank you.
confuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ça manque d'attaque, ça manque de rythme, ça manque de... Vas-y, joue. Oh ben... Fais-moi rêver avec la voix de Yves déjà. On va faire une massive. Faire rêver dans son monde, oui. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone and at the bonnet. Just in the bonnet of my legs and onto the floor. My clothes are spread like a neon. C'est bien. J'ai tout mon monde. 1, 2. Round, round, get around, I get around. Yeah. Get around. Tu veux pas mon... Tu t'en branles complètement. Thank you.
Bonsoir. 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 Bonsoir et merci. J'ai vécu toute ma vie en attendant mieux, les jeunes et vieux jours en attendant mieux. Plus étrange.
4 heures dans le froid, visiblement, c'est ce qu'on me dit. Il y a des gens qui restent dehors, mais c'est bien, c'est ce qui fait les grands concerts. Qu'on joue au foot ensemble, on joue en fait du punk rock comme du foot, c'est-à-dire que vraiment on conçoit ça comme ça, on a notre fond de jeu, notre style de jeu, c'est exactement ça quoi. On y va à l'enthousiasme, à l'opportunité, et puis voilà, quand on se lâche, c'est comme ça que ça marche. C'est le moment qu'on préfère, quand on écrit des morceaux, on les fait ensemble, on les met noir sur blanc, et puis on les couche sur disque, enfin ça c'est les vrais moments de bonheur. Quoi. Avec le sang-froid, le droitier, tu es que j'ai fait à partir d'une image d'un film de Cronenberg qui s'appelle Vidéodrome. Ce que j'ai voulu faire, c'est donner un ton un peu froid, un peu une sorte d'aspect un peu pas futuriste, mais bon, on n'arrive pas très bien à situer dans le temps, à la limite cet homme-là, dans ce décor-là. Donc, il y a un décor un peu de ruine industrielle, on sait pas trop. Quoi. Et ça collait pas mal à l'esprit, notamment d'un morceau de 1997. Enfin, voilà, ça semblait assez cohérent. Enfin, nous, en plus, on a toujours cherché au niveau des pochettes, faire une cohérence avec ce que veulent dire les textes, etc. Thank you.
Bonsoir, je m'appelle Paul. Que j'aime beaucoup quand même dans l'idée de Paul, c'est que comme il y a beaucoup de textes qui tournent au sens sur le côté retrait du moi, retrait de la personne, tout ce que je raconte sur il faudrait mourir, tout ça, c'est évidemment pas la mort clinique, c'est plutôt se retirer, quoi. Ce qui va bien avec le split, ce qui va bien avec l'album blanc, une espèce de retranchement total pour se laisser porter par plein de choses, quoi. Parce que c'est bien des fois de d'oublier sa petite personne pour se tenir disponible à plein de choses, et Paul, voilà, ça serait ça, quoi. Ça serait, c'est ni Lucas, c'est ni François, ni Gwen, ni Benoît, ni etc. C'est pas les Alpes, c'est Paul, voilà. C'est le mec qui a sur le 4 titres, quoi. Donc Benoît a dessiné cette espèce de forme schématique et abstraite. C'est le citoyen universel, quoi. Le type qui a pas d'identité, qui est pas noir, qui est pas blanc, qui est pas arabe, qui est pas carrière, qui est même pas punk. Il est tout. C'est Paul. Donc c'est tout à fait dans cette continuité-là qu'un groupe, pour moi, doit durer 6, 7 ans, 8, 9 éventuellement, mais pas plus, quoi. Et en tout cas, ne jamais s'éterniser une fois que la force originale n'y est plus. Bon, la raison pour laquelle on arrête, à la rigueur, nous, on a aussi toujours pratiqué quelque chose d'un amateurisme. On a fait foi à l'amateurisme. Alors, vous devez savoir que le groupe a quasiment toujours vécu, enfin, amateurisme, pas au sens musical, tout ça, hein, au sens professionnel, mais au sens où le groupe a existé véritablement que les week-ends, parce qu'on a toujours tous fait quelque chose à côté, on n'a jamais, surtout pas, voulu en faire notre vie, encore moins être intermittent du spectacle, de façon, et encore moins, enfin, c'est pas qu'on n'a pas voulu gagner de l'argent, mais... De toute façon, la question s'est jamais posée jusqu'à aujourd'hui. C'est pas qu'on voulait pas, mais... Ouais. Donc voilà, je crois qu'il y a un moment où on arrive vraiment au summum de l'amateurisme, si on peut dire, et quand t'as fait ça parfaitement, comme pour nous, il n'était pas question d'être professionnel, c'était le bout, quoi. C'est pour ça qu'on a arrêté le rugby aussi en 95. Ouais. On va faire la vraie dernière ce soir. Parce qu'il faut pas faire durer comme ça les adieux, c'est pas bien, on va chialer, c'est pas bien. Gardons un peu de pudeur. Donc je vous dis une dernière fois merci et au revoir du nom de la chanson. Merci à tous ceux qui sont venus loin. Mais il paraît que les gens sont venus de Tokyo ce soir. C'est nul. Si ma mère était là, elle aurait honte.
Allez, finalement, tout est bien. Je suis un peu plus
fan of the? Are you a fan of the? Are you a fan of the? Je pense que les gens retiendront ça et s'il y avait un truc à retenir par rapport à Zabowski. Voilà. Puis il y a des filles au concert des Zab, il n'y en a pas souvent les concerts de punk. Lentement, je me suis fait à l'idée, exquise cœur, je ne serai plus français.